épisode numéro 8. J'ai regardé rapidement comme ça, c'est vraiment le 8. Hein. Hop là, Doudoum 3, on est parti. Continue. Ce sera bière pour toi, puis c'est tout. Ah là là, je mangerai bien. En fait, je la boirai bien même. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté avec le BFG? Ça, c'est une bonne question. C'est un petit peu aussi. Ok. Kebab cuisiné. Qu'est-ce que. Kebab cuisiné avec une brosse de toile. Marc est le seul capable. Seul gars capable de lancer un débat sur les kebabs. C'est vrai. Il rage sur Jim Laurie, se trompe de voilà, il oublie de démarrer YouTube. T'as quoi, Elkino? Mais non, j'ai pas démarré. J'ai démarré sur YouTube. J'ai démarré. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis pas trompé devant là et je testais un truc. Tout va bien. Tout va bien, tout est... Vous avez du sang là, on est d'accord. Hein il se passe rien, il se passe que... J'avoue que je suis un peu à la... Attends, localiser la tour de contrôle du chargeur de fret pour déverrouiller l'entrée des cavernes. Ok. J'avoue que je suis un peu en speed parce que au final, je dois me lever à 6h du mat quand même pour pouvoir stream demain matin. Ah! Non. Du coup... des trucs à faire avant, comme par exemple le post Facebook. Dégage. Et je l'ai fait un peu à la ramasse pile avant le live. Du coup j'étais en train de me dire merde, il va falloir que je tweet et tout. J'ai préparé mon événement Steam, etc. C'était un peu le bordel. Donc je suis un peu... ça doit être pour ça en fait, Spectro, que... Je suis un peu fébrile. T'inquiète, ok. Tu sens quelqu'un entend Elki. Marc, t'es pas drôle. T'es pas drôle. Ok. Je vais sauvegarder là. Tiens, je dirais à Blacky... Hey, tu sais quoi, Elkinu, il a ragé sur moi. Ça la fera marrer, je pense. J'ai trop envie d'avoir le... Oh, salut! Ipelena! Ok. Alors, Blacky, de te faire une bière avec un kebab. Je boirais bien une bière, là, franchement. Très, très sérieusement. J'ai demandé à ma femme de m'en ramener... demain. Non mais là j'ai plus besoin d'aller là. Coucou Ayama, comment vas-tu? Bienvenue à toi. Elkino, le seul gars au monde capable de parler de Twitter en tuant des monstres. De Twitter et de Facebook s'il te plaît. Twitter et de Facebook. Donc je sais pas si c'est pareil, faut aller. On dirait que si. On dirait que si. Ça va bien Ayama? Ah, ça t'est derrière moi ça. Non. Ah non. Salut. Merde. T'as dû tomber pas assez. J'ai bien aussi sur le fait qu'on voit toujours pas le fond vert. Le fond vert est un mensonge. The green screen is a lie. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Qu'il est vert. Quelque chose me dit que vous le verrez demain. S'il est vert ou bleu ou rose. Il pourrait tout à fait être noir aussi. What? Non! Pourquoi je tire dans les pattes? Tire dans le torse au moins. Qui voyons? Ça va et toi? Bah écoute, ça va très très bien, Yama. C'est vendredi, je suis toujours en vacances. Je suis en vacances la semaine prochaine. Oh putain. On se fait un 12h. Demain, 14h. Si jamais tu ne le savais pas. Non! Voilà. De 14h à 2h du matin, demain, enfin tout à l'heure en fait, vendredi donc. Vendredi 23, c'est aujourd'hui chez vous. On fait un petit 12h pour fêter les 2 ans de la chaîne. Je pense que tu devais déjà le savoir. Mais Et j'ai carrément hâte en fait. Le programme
Les jeux que j'ai mis au programme vont, à mon avis, dépoter. Plus que d'habitude. Je pense que c'est barrage, je vais sauvegarder un coup aussi. S'il est noir, l'écran de ton PC est très fin pour différencier la chaise du fond. Ok, il pourrait pas être noir, effectivement, tu as tout à fait raison, Yam. Il ne pourrait pas être noir. Alors, en même temps, ça aussi, c'est noir. Il peut pas être blanc. Il peut pas être roux. Un fond roux aussi, c'est bizarre, quand même. Pas être bleu. Pas être bleu. Pas être gris non plus. Blanc, ça risque d'être chaud, ouais. Mais toutes les autres couleurs, c'est possible. Voilà. Ça se trouve, il est rose à paillettes décoré spécialement par Midi et le Kinect. Des fraises et un soleil. Et lol. Moi, je serai là pour The Solus Project, Skybreak et bien sûr Super Fight. Cool. Oh putain de taras. Alors, par contre, Super Fight, je vous préviens, hein, ça va être folklore. Ça va peut-être être techniquement. Comment ils disent les Américains? Techniquement challenging. Use us. Ok, je vous utiliserai bientôt. Je suis pas sûr d'avoir envie de descendre. Qu'est-ce que je dois faire en fait? Localiser la tour de contrôle, chargeur de fret pour déverrouiller peut-être une caverne. Je sais pas trop s'il faut que j'aille là. Solus Project, ça t'intéresse aussi, t'as jamais. Donc toi, tu seras là pour Solus Project, Skybreak et Super Fight, Marc. Ça veut dire que tu seras pas là autrement? Tu me déçois là. Je pensais que tu serais resté, moi. Wow! Mon dieu. Je veux pas y aller. Non mais si, en fait. Okay. Je suis obligé d'y aller, en fait. Ok, hop. Y'en a d'autres? C'est tout? Oh, y'a un petit mignon derrière la porte. Voilà, t'as le programme là, Spectro, ouais, carrément. Disons que j'ai des courses à faire avant, je mange à 19h, je sors mon chien à 20h. Oui, t'as des choses. Des choses. Des choses à faire, c'est normal. En 12h, hein, tout le monde a des choses à faire. Sauf moi, y'a quoi qui suis complètement teubé pour avoir rien à faire à part stream pendant 12 heures d'affilée, je veux dire. Quand même. Et encore, y'en a qui font 24. C'est un peu dégueulasse ici, je vous l'avoue. Je regardez, tiens. Toi, tu risques de pas être dispo, donc tu regarderas l'art. Tu fais qu'il y a Jim là. Après, c'est le 23 décembre. Je comprends parfaitement. Oh putain. Oh. Oh là là. Oh là là. Dame. Merci beaucoup pour le host, dame. Le auto-host, j'imagine. D'ailleurs, on va aller regarder rapidement. Voir qui. Parsi, Jim Lao, Fluffy et Anoir. Et puis maintenant, Dame, merci beaucoup pour les auto-hosts, les gens. Et Jim Lao, merci beaucoup pour le vrai host. Et qui n'aura pas de vie pendant 12 heures, c'est ça. Enfin, si j'ai une vie super cool pendant 12 heures. Et après, je retournerai à ma vie misérable. Non, je plaisante. 12 heures de jeux vidéo, c'est cool. Oh, salut! Y'a rien de mieux que le shotgun dans ce jeu. Dans tous les Dooms, le shotgun, c'est ce qu'il y a de mieux. Avec la BFG, quoi. Lance Rocket. Je dis déjà, je connais aucun des jeux que tu vas faire. Ok. Eh ben, franchement, s'il y en a, il y en a peut-être, enfin, il y en a peut-être un ou deux qui vont être, mais, ouais, pourquoi pas. Mais à mon avis, putain, ah salut. Putain, je m'attendais pas à ce qu'il me pop derrière lui. Mais à mon avis, la plupart des jeux qu'il y a là vont roxer. Enfin,
On peut ne pas aimer le style après. Genre les simulateurs de marche, je sais qu'il y en a plein qui aiment pas ce genre de truc là quoi. Et malheureusement, il y en a plein, enfin je dis malheureusement, mais je pense qu'il y en a plein dans la liste là qu'on va continuer après. Mais je dis malheureusement parce que ça veut dire qu'il va falloir les caser à un moment donné. Et j'ai pas de temps. Mais bon, c'est tous des indés, ouais, c'est tous des indés. Sauf peut-être Stories. Non, non, je crois que c'est tous des indés, ouais. Oui, c'est cool, 2 heures de jeu, voilà. Ou alors ma vie est nulle. Lol. Alors, c'est clair. C'est clair, et Elkinet est super sympa de me laisser faire ça. Je veux dire, à mon avis, c'est pas toutes les femmes qui accepteraient ce genre de concession. Transport de marchandises rentrant à la station. J'aime bien le style pixel art, mais ça doit être encore bien fait. Oui, oui, bah c'est clair. Je sais pas s'il y en a des pixels. Il y en a peut-être un ou deux. Pour l'accès de transport. Mais ça. Ouais, c'est bon en fait. Faut que je remonte maintenant, c'est ça. Je pense. Moi, c'est ça, je me suis acheté Outlast. Brothers, Tale of Two Sons. Oh mon dieu. Ethereum et le copain de Blacky va faire Planet Coaster. Cool. Cool, cool, Spectro. Marc, pardon. Mais Marc, Brothers. Si, alors, si tu veux me faire plaisir, parce que Brothers, c'est un de mes. C'est un de mes jeux fétiches. C'est un. Je vais y aller fort, mais c'est pour moi un jeu qui a sa catégorie à part en fait. Il y a aucun autre jeu comme lui. Parce que c'est un jeu qui m'a fait ressentir les mêmes genres de choses qu'un film ou qu'un bouquin pourrait me faire ressentir plus que n'importe quel autre jeu en fait. Et non pas par des paroles ou par des textes. Ou même par des musiques, mais par le gameplay en fait. C'est le gameplay qui fait que tu ressens le jeu, t'es dans le jeu, tu vis le jeu. Alors je veux pas que. Si ça se trouve, tu vas trouver ça naze et puis voilà. Et ce que j'aimerais bien que tu fasses, c'est que tu y joues d'une traite, si tu peux. Il dure 2h30 à peu près, entre 2h et 2h30, ça dépend si tu vas vite ou pas. Il est pas très dur. Donc tu joues en une fois et que tu joues au pad. Il te faut absolument un pad avec tu sais, un pad type Xbox ou PS4 avec deux joysticks analogiques. Tu comprendras pourquoi, je ne spoil rien. Mais voilà, si tu veux me faire plaisir, joue à ce jeu comme ça, d'une traite et avec un pad. Puis après j'en parle plus. On en reparlera quand tu l'auras fait. Et Elkinet, elle joue aussi ou elle te regarde jouer? Elle joue... Bizarrement, elle ne joue pas. Pas beaucoup. Oh, putain. Ok. Elle joue pas vraiment. On fait du Guitar Hero ensemble, quoi, par exemple. Des jeux un peu social, on va dire. J'ai une Wii en fait, donc les jeux sur la Wii c'est plutôt cool. On a fait un peu de Halo ensemble aussi, mais c'est pas une gameuse à proprement parler. Et elle me regarde pas spécialement non plus quoi. De temps en temps elle passe, et puis voilà, mais elle reste pas longtemps quoi. Donc pas une gameuse. Moi je dis gros merci à Elkinet de ma part. Je dirais Spectre, je dirais. Le pad je l'ai. Jeu d'une traite, je vais essayer. Ah ouais, franchement, ouais. Essaye. Parce que c'est tellement court. Tellement court et te sortir de l'histoire, en fait, ça va être. C'est dur, en fait. Re-rentrer après dedans. Dépendant au moment où tu arrêtes, je pense que c'est pas top d'arrêter. Wii Sport, c'est la vie, lol. Ouais, j'avais voulu acheter Brothers, j'avais vu nécessite une manette pour jouer, comme j'en ai pas, j'ai pas pris. Tu peux jouer au clavier normalement, mais. C'est conseillé à la manette. Parce que justement, c'est ça qui fait l'histoire. Merde, je peux pas repasser par là. D'accord. Donc, je dois aller ailleurs.
Faut que je descende là? Ok. Et qui nouche comme sa mouche. Yo Ben, je sais pas trop ce que tu as voulu dire là, mais oui d'accord. essaye de finir en une truite. Ah, je truiterai ce que je pourrais. Non mais vraiment, fais-le en une traite. Ah! Non. Oh putain, enfoiré. Ah. Ok, ok, ok. Ça craint là. Heureusement que j'ai ce Q-cube, hein. Sans le Q-cube là, je sais pas ce que ça aurait donné en fait. Gentil Q-cube. Oh là là, c'est dégueulasse ici. Regarde. Manette 360 pour être sûr que tout fonctionne correctement. Bah, c'est ce que j'ai là en fait. Ça. Et effectivement, vibration, je conseille. Moi, j'ai l'habitude de les désactiver, mais pour Browser, je conseille de le garder. J'ai 360 qui vibre très bien, tel un vibromasseur. Ah, mais. Je m'attendais à ce que ça sorte de là en fait. Bon, d'accord, qu'est-ce que je fais maintenant? Sérieusement? Je fais quoi? Je vais où? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais. Qu'est-ce qu'il me dit là? Utilisez le chargeur de fret pour accéder aux cavernes. D'accord, donc. Chargeur de fret. Ça a pas l'air d'être par là en fait. Ah. Je sais pas. Je sais pas trop en fait où je suis. Ok. Je... Alors là. Non. Ce n'est pas impossible. Blip blip. Non, bah c'est pas par là. Non. Mon dieu, cœur leader. De retour, vous jouez un mauvais tour. Comment vas-tu, cœur? Ça fait un moment qu'on t'a pas vu. Bienvenue à toi. Comment ça va? Moi, ça va. Moi, ça va bien. Paumé là, mais ça va. Oh non, sérieux, enfin, je suis tombé de d'un mètre et demi et j'ai perdu 10 PV quoi. Un petit peu comme si je m'étais cassé un orteil. Bon. Que la GameCube est là, j'aurais vu de ouf cette manette, mais lol. Faut pas que ça vibre, faut pas que ça te fasse mal non plus, hein. En fait, Marc. Alors, sinon, faut pas que ça t'envoie des décharges électriques, quoi, en fait. Là. Si on allait par là. Bien. Transfert réussi, ok. Donc, non, c'est de là, je viens de là, en fait. Oh là là. Moi, je suis allé voir Assassin's Creed ce soir, mais j'ai dormi dans la moitié du film. Ah, c'est pas cool. Ça me fait un peu peur comme film. Faudrait que je joue au jeu en fait. Ah bon. Allez par là. Ah non, je... si peut-être. Ça grogne encore. Bonjour.
Ah, il veut plus m'ouvrir maintenant, lui. D'accord. Bon, bah, c'est pas par là, donc. Ah, bah, la cop pour regarder Twitch, ça fait du bien. Cool, Kirida. Bah, tiens, tu dois pas savoir, là. Demain, enfin, tout à l'heure, à 14h, ce vendredi, 12h de live sur la chaîne pour fêter les 2 ans de la chaîne. Ramène tes amis. Et surtout, viens aussi. Ça fait une rime en plus. Ok, c'est pas par là. Là, à part que j'ai une côte totalement instable, donc je peux crash à tout moment. Ça, c'est pas cool. Quand tu as 14 secondes de téléchargement et que tu peux pas regarder YouTube avec 144. Ah, d'accord. Mais attends, je comprends pas. T'as une bonne connexion ou pas de connexion? Le mortel ennemi d'Elki, c'est le labyrinthe. Oui. Effectivement, Spectro. Le labyrinthe, ça me gonfle. Ça me gonfle sévère, même. On va dire que c'est pas... On va retourner là. Maintenance. À mon avis, c'est pas ça. Ça va, l'envoie pas de décharge électrique, cool. Cœur leader est demandé sur mon serveur Discord. Allez, cœur, rejoins Ben. Pierre, j'ai jamais joué au Doom, ça me fait penser à Soma ou Alien. Alors, en fait, chose qu'il faut savoir, cœur leader, c'est que Doom 3 est différent de Doom 1 et 2. Hein. Doom 3 est beaucoup plus axé horreur hein, et ambiance que Doom 1 et 2 qui sont plutôt. Ah bah, fuck. C'est fermé, dis donc. Doom 1 et 2 sont plus axés baston. Et ainsi que le dernier Doom. Hein. Bon. Bah, c'est pas par là. Faut que j'aille là, en fait. Comment je fais pour aller par là? Ils sont par là. Disons voir là, y a rien en fait. Ok, d'accord, ça c'est fait. En fait, j'ai une copotable pour le moment, mais là, elle est instable, d'accord. Dire que le labyrinthe ne fait pas le moine. Ce que j'essaie de nous dire, cœur, c'est que t'as une soupe potable mais immangeable. Exactement, t'as tout résumé. LOL! D'accord. Bon, par là. Garage. Garage. Ben voilà, c'est par ici. C'est ça, là. C'est bon, là. Ok, il y a what million de trucs qui vont me sauter à la bouche, là. Ferme les portes avant de continuer. Fermez, là. Pardon ? Ok. C'est bon. Ouais. Oui. C'est tout. Ok, entrée des cavernes. I sauvegarding. Tu fais quoi maintenant? Ok, super, il y avait plein de trucs à loot, mais il n'y a rien à loot, super. Caverne zone 1, ah là là, ça veut dire qu'il y a une zone 2. J'aimerais bien savoir combien de levels il y a dans ce jeu. Hop. Merci Spectro. Ah oh, bordel.
Non, pas de suite. Venez les araignées de merde là. Comment ça j'ai pas l'habitude de recharger tout le temps, t'es ouf. C'est bon là? Ok. Sinon pendant mon absence t'as déménagé aux States? Ouais, carrément. C'est pour ça que je stream tard effectivement. Merci Spectro pour les heures. Donc voilà, il y a deux soirs par semaine, c'est en nocturne. Et sinon c'est le samedi dimanche. Wow! Ouais, ouais, pardon. Non! Et sinon c'est samedi dimanche, alors par contre samedi dimanche prochain, merde j'ai oublié de le mettre sur le post Facebook, enfin je le rajoute. Samedi dimanche prochain il y aura pas, sauf Ninja, parce que c'est Noël. Ok. Tout va bien. Je les extrême à 3h, c'est pas son habitude, non, pas du tout, sauf pendant les vacances, ça arrive. Ça arrivait avant même, mais je démarrais pas souvent à 3h du mat, effectivement. Donc voilà, il y a 6h de décalage, donc là il est 21h36. Voilà. Et j'arrête à 23h, donc à 5h du matin pour vous. Oh, oh, oh. Putain, mais... Les raclures de billets de chiottes. Okay. Tiens, quelqu'un a joué au jeu 13 Jason? Non. Je sais que Pomme elle a testé. Elle disait que c'était moyen bof. Enfin que c'était pas mal mais que c'était pas le jeu de l'année quoi. Donc en gros Dead by Daylight c'est mieux. S'il y avait une comparaison à faire. Oh, bonjour. Aïe! Merde! Merde! Oh putain, couillon, va! Ah ouais. Tu l'as noté celle-là, j'aime là-haut. Ouais, Pomme y a joué. Je sais qu'il y a Jesse Quill qui est en train d'y jouer en ce moment d'ailleurs. Pas d'aller voir ce que. Elle avait dit qu'elle avait une clé, ah, voilà, ouais. Purée, le titre qui me fait plaisir car je suis né un 13 avril. Ah bon? Non, je vais prendre ça. Voilà. Okay. Ce que je voulais faire. Ok. Salut. Oh putain! Non! Ok. Le truc c'est que clairement niveau gameplay là le jeu, bah là j'ai mon Dead by Daylight je trouve. Ok. Ok. Peut-être. Après bah je sais pas, Dead by Daylight ça m'a jamais vraiment Ça m'a jamais vraiment fait kiffer. Ça me fait marrer de regarder des gens de temps en temps, mais c'est pas le jeu qui m'attire spécialement. Et je trouve ça un petit peu répétitif en fait. Mais bon, y jouer en compétitif, ça doit être sympa. C'est un peu comme Left 4 Dead, quoi. Ah putain. Non, non, non.
C'est bon là? Oh putain! Ok. Nickel. Alan Fuaros. Alan Fuaros. Ouh là là. Maintenant, clairement, niveau contenu, t'as pas encore grand chose du fait que c'est une alpha bêta encore, ouais, forcément. Les payants, mais c'est, ouais, c'était un piège, effectivement. Je serais clairement surpris parce que tu peux faire. Parce que peuvent faire les survivants. Ah, probablement, Spectre. Probablement. Je me demande encore pourquoi. Je me demande encore pourquoi les gens jouent. Je me demande encore pourquoi les gens jouent des survivants en fait. Enfin, je sais pas, jouer la victime c'est. C'est bizarre comme principe. Bordel! Ah mais je vais m'acheter j'ai vu un gars qui jouait Jason et là juste avant qu'il s'en aille ils ont tiré une balle dans la tête de Jason. Allez, les survivants ont des armes. Je crois qu'ils pouvaient faire que fuir. Je savais pas qu'ils avaient des armes. Ça change des choses là pour le coup. Oh là là. On aime tous les survivants. En même temps, il n'y a qu'un. Attends, accéder à l'ascenseur de service pour atteindre le niveau inférieur des cavernes. Okay. En même temps, il n'y a qu'un tueur, donc tout le monde ne peut pas jouer le tueur. Mais c'est juste que bah, quand tu joues le tueur, en général, tu tues les gens. Et puis quand tu joues le survivant, bah, tu fais que courir. Enfin, c'est ce que j'ai vu moi, mais. Zone scellée, ok. Accès hors ligne, ok. À l'échelle. Oh ma mosquée, mais c'est pas un truc de ouf. Ils peuvent pas tuer Jason mais ils peuvent le ralentir sévère, d'accord. Un double canon, ok. Merde. Rêve. Ok. Ok, ok. Je saute là-dessus, là. Apparemment. Sauvegarde. Un joker, ok. Ah, puis j'ai regardé Zewin tout à l'heure jouer le tueur. Ça avait l'air marrant, mais voilà. Après, j'imagine qu'il faut y jouer, quoi. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils filent des. Ils font des week-ends gratos, j'imagine. Quoi ce bruit? C'était quoi ce bruit? Ok. J'ai pas aimé. Et voilà l'ascenseur. Rapport sur le fret, détail de la cargaison, contient divers petits objets entreposant la zone de recherche du niveau inférieur. Cargaison emballée à la hâte pour cause de fermeture, les dégâts devraient être minimes. Autorisé par Bill Cartley, coordinateur de transfert. Ah oh putain, ah oh putain! Putain! Dégagez! Bordel!
Oh, j'aime pas ces bestioles de merde! Ah. Mais c'est quoi par terre? Tu spammes là-dessus, je peux te relever. T'as différentes mains aussi, j'adore. Ok, quand tu as une balle et après tu dois chercher des munitions. J'ai dû faire du footex, c'était bien étranglé, d'accord. En DVD, je préfère jouer survivant. D'accord, Marc. Il y en a toujours un là. Il a un truc qui a tous ces jeux, hein, malheureusement. Ouais, d'accord. Les trolls qui font que de faire tourner en bourrique. Ouais, bah ça, Pomme m'en a parlé, effectivement. C'est un peu naze, ouais. Même c'est très naze. Bon, j'ai plus de life. Chier. Mais pourquoi je suis venu ici? Qu'est-ce que ça a changé en fait? Je vais aller te coucher dans pas longtemps, ça marche, Jim, là-haut. Ça marche, ça marche. Comme ça, tu pourrais être frais et pimpant pour le 12h. D'accord. Ah, bordel! C'est quoi ce truc qui galope? M'énerve! Oh, mais là, je vais crever! Je vais crever si je tombe là, non? Hop, 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 hop! 11 PV, allez! Yes! Ok, je sauvegarde. Puis de toute façon, il kill a rage sur moi. Mais non! Je me l'avais choqué et déçu. Arrête! Alors, je vais m'en aller. Non! Mais bazar! Arrête! Dans DVD, en tant que survivant, l'entraide est indispensable. Ben, j'ai l'impression, et j'ai l'impression aussi que les gens ils sont pas ensemble sur. Enfin, il n'y a pas de chat. Je sais pas, après je peux me planter, mais quand je vois Zewin jouer, il est sur le chat avec personne. Du coup, j'ai l'impression que ça sert un peu à rien en fait. Il n'y a pas de coordination. Ben, je sais pas, What? Ah! Ah ouais, je vais vous utiliser, mais 2 secondes. Oh là là. Y a pas de chat. Ok, y a même pas de chat vocal en fait. Y a pas de chat vocal, c'est un truc de fou. Tu peux même pas parler dans le jeu, je veux dire. Non, t'es Kiwoki, non, tu parles vraiment et même avec la tueur. Sur Jason, d'accord, ok. Sur Jason, d'accord. Mec, il se casse en voiture. Je fais quoi? Je l'ai. Mais ouais, après, c'est. Ah, chacun ses goûts. Ouais. Enfin, voilà, peut-être que j'apprécierais énormément, mais. Là comme ça, ça m'a jamais donné envie. C'est pas mon style de jeu, je pense. C'est pas mon style de jeu aussi. Demande l'assistance. On s'en fout. Il y a du sang dessus. J'arrive pas à lire. Okay. Ah. Ok. Putain, y'a un truc qui va me sauter à la bouche d'un instant à l'autre. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Tiens, alors, toi. Voilà. C'est fait. Disons qu'en tant que survivant, tu flippes bien dans ce genre d'ambiance. D'accord, ok. Zone de l'énergie fermée. Distribution d'énergie fermée. Bon. Ah mais non, mais je suis revenu au point de départ. Hein. L'ambiance fait beaucoup, ouais.
C'est vrai. Je pose trop de questions aussi, moi. Par exemple, ça m'agace de pas savoir qui c'est l'entité, par exemple. C'est pas important, mais bon. Il paraît que c'est pas important. Oh là là. Oh là là. Oh là là. J'en joue à Alien Isolation et enlève le son. L'ambiance fait beaucoup en soi. Enlève un truc, ça devient carrément plus flippant. J'en joue à Alien Isolation et enlève le son. Ah oui, oui, oui. Bah. C'est même... Enfin ouais, non, je jouerai pas à Alien Isolation sans le son. Bordel! Il est bien ce labyrinthe simulator. Ouais, moi aussi je trouve, Yama, je suis d'accord avec toi. Je sais pas quoi faire. Y a pas de carte en plus, quoi. Là, on vient un petit peu sur nos pas. Beaucoup, même. Ah, c'est peut-être ça qu'il faut que je prenne, mais alors. Faudrait que l'ascenseur arrive, en fait. Un exemple. Hein. Oh, oui, oui, je peux que je comprends bien. Ok, donc je peux pas. Hors ligne. Là, on a appelé l'échelle, donc ça, c'était. On était au début. On est arrivé là. On a vu qu'on pouvait sauter là. On peut rentrer par là. Il doit y avoir un truc à faire par là, c'est pas ouf, c'est obligé. Ah! Contrôle accès activé, d'accord. Et maintenant je peux y aller. Bah sérieusement là? Et bah... Il m'a remonté la putain d'échelle. Bon bah tant pis. Ah, du coup, l'échelle, on peut plus là. Ascenseur de service, ouais. Appelé à la station. Ok. Et là, maintenant, ça va... Voilà, ça va me péter à la gueule, là. Wouah! Ok. 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 Yo Lagdar, coucou! L'ascenseur arrive. C'est la grosse taf. Bonjour monsieur l'ascenseur. Au revoir. Oh, j'ai plus trop de life. Je vais sauvegarder quand même. Comment ça va Lagdar? Bienvenue. C'est typique à Doom dans le RL2, je me suis paumé pas mal de fois. Je me suis pas mal de fois retrouvé en... Ouais ouais, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Mais dans Doom, le dernier Doom en fait, 2016, ils ont mis une map en fait. Il me semble aussi qu'il y avait une map dans Doom 1 et 2. J'ai vu qu'il y avait une match sur le jeu. Que même ton LT est melee one to play. Non, non, non. Non, 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 putain! Super! Bon bah voilà. Il y a un autre truc qui veut me tirer dessus là, s'il te plaît. Ça sauvegarde, ça sauvegarde. Happy que je bosse pas demain. Cool Lagdar, cool. Eh bah tu vas pouvoir être toute la journée sur le stream. Bah demain. Si, vendredi demain. Demain vendredi tu veux dire, ou demain samedi? Parce qu'aujourd'hui on est vendredi au final. Non 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 non. Oh. Ah. Crève. Crève. Non, pas moi. Ah.
T'es prêt pour ton 96 heures de live? Trop. 96, ouais. Au moins 96. Carrément, ouais. Je suis carrément prêt. Ok. Ah, pa pa pa. Pa 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 pa. Pa pa pa. Yeah! Non, 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 non. Non, c'est pas ce que je voulais. Merde. Ok. Ok, c'est bon. Je sauvegarde. Là. Là. Demain vendredi ou demain samedi? Demain vendredi. Dans un dodo. Voilà. Dans un dodo. Merci. Il me file une échelle, c'est cool. Donc il y a une mise à jour sur Emily Wants to Play. Ah, tu sais que j'avais dit que je finirais ce jeu là. Mais j'ai tellement pas envie. J'ai tellement pas envie de finir. Je pense que s'il y a un jeu qui me... S'il y a un jeu que j'ai rage quit, si jamais il y a un seul jeu que j'ai rage quit, c'est celui-là. C'était un jeu tellement stupide. C'est même pas un jeu, c'est une démo technique pour moi. C'est tellement énervant. Pourquoi ça bouge ça? Donc, je sais pas. Pour la challenge, pour le défi, j'en jouerai peut-être. Mais bon. Ok, fou. Ça me tue pourquoi dans tous les jeux vidéo t'as de la lave. C'est vrai. Chez dans Metroid c'est du magma en fusion. C'est pareil. À tout de cœur. Avec la petite chanson de Elki, je trouve que c'est encore plus flippant. J'ai chanté, j'ai même pas fait gaffe. Ah oh, putain, non! Sérieusement? Ah. Tu connais un manque de sleep? Tu te répètes, Jim, là-haut, attention. Quelle carte d'accès, je l'ai pas. Ouais, je connais un manque de sleep, je l'ai fini même en live. Jimlo. C'est sur YouTube. Si tu vas aller voir, hésite pas à aller voir. Je vais vous laisser, à plus, c'est bon stream. Ça marche, Dragorlio. Ciao, ciao, merci d'être passé, ça fait plaisir de t'avoir vu, de t'avoir revu. Ça faisait un moment que tu n'étais pas passé. Bah écoute, si c'est dans le coin, oublie pas, demain, le 12h, tout à l'heure, un dodo. Dodo après, non, 12h, dodo puis 12h. Merde, je tiens bon. Dodo puis 12h. C'est... J'aurais dû l'appeler comme ça d'ailleurs. Non! Fuck ta race! Je te déteste! Oh non. Non. J'ai entendu des... Tu connais Tetris? Non, c'est quoi, Jumelot? Le truc qui fait bien ranger les choses, lol. Et la bataille navale, c'est le jeu où tu fais plouf. Je sais plouf. Ah, ça gardait depuis trop longtemps. Ok. Là, ça aurait été bien de ne pas tomber. Oh, sérieusement? Non! Non, j'ai pas envie de jouer à ça! Putain. Ah! Voilà. Bien fait de sauvegarder avant.
même avec que des 24 heures en toute l'année prochaine, je finirai pas tous les jeux entamés. Les jeux entamés, si, Lagdar. Les jeux entamés, si. Parce que je mets un point d'honneur à finir les jeux que je commence, que je veux continuer. Après, si tu parles de toutes les découvertes, non. Parce que le but des découvertes, c'est de voir si un jeu me plaît. Ah, là, je peux pas, dis-moi. Le but des découvertes, c'est de voir si un jeu me plaît et si je veux le continuer. Donc, il y a des jeux que j'ai entamés, j'ai pas envie de continuer de toute façon. Mais après, à partir du moment où j'ai commencé, où j'ai fait un deuxième épisode, une deuxième session sur un jeu, en général, c'est pour le finir. Ok. Off. Non. Ah, sérieux? Je voulais pas aller là. Après, tu peux dire avec les jeux que j'ai, quoi. Mais merde! Effectivement, j'ai plus de 3000 jeux là maintenant. Il y a aucune chance. Aucune chance que je puisse les finir avant la fin de ma vie, quoi, surtout. Ah! J'ai 8 PV! Attention! Oh là là! Ça fait chpric. Je sauvegarde là ou quoi? Parce que... Ouais, je vais sauvegarder. Un petit peu de la... Allez, putain! Et on sauvegarde. C'est comme lire toute la bibliothèque. Oui, c'est vrai. Solus Project a l'air pas mal. Il y en a plein qui ont l'air pas mal du tout. Hein. Oh là là. D'accord, maintenant je peux remonter, c'est ça que j'essaie de me dire le jeu. Ne pas manipuler durant l'extension. Ah. ouais mais... Du coup je fais quoi? Je remonte et c'est cool. Je comprends pas là. Ah, ça m'envoie à un endroit où j'avais pas accès avant. Ça. Oh. Comment je fais pour y aller là? Voilà, merde. Ok. Tu vas de gym là-haut, ça marche. Ciao, ciao, bonne nuit à toi. Merci de passer, merci pour le host. Tout ça, à demain, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Je te kiffe, bébé. Ok. Bordel. Ah bah non. Je suis de retour là maintenant. Et j'ai toujours pas la carte d'accès. Sérieux? Je ne comprends point. Au moins on peut se heal, ça c'est bien. Faut que j'aille de l'autre côté. Hein. C'est ça l'idée, j'imagine. Détruisez la porte de l'enfer. Mmh. Ok, il reste plus qu'une heure pour détruire la porte de l'enfer, ça va être chaud. Hein. Prends la carte de sécurité pour accélérer au site des fouilles. Bon bah.
Ouais, non. Ouais, non, bien ouverte. Bon. On y retourne. Hein. Trouver cette fucking carte. J'ai pas l'impression qu'on le finisse cette nuit, le jeu, en fait. Malheureusement. Parce que en une heure, ça me paraît un peu chaud. Ça peut être possible, hein, je sais pas. On va bien voir. Ok, donc je redescends tout en bas encore. Là, il y en a à ouvrir. Pas de carte. Pas de carte. Ouais, pas de carte. Ouais, y a pas. Là, ça fait bip bip, mais c'est tout. Oh là là. Ça saoule. À quoi ça m'a servi de descendre ici, de me péter les deux jambes pour déployer l'échelle et remonter, quoi. Quel est l'intérêt? Je comprends pas. Question, ça fait quoi de passer de vivre normalement et du jour au lendemain tout change et devient hyper grand comme les supermarchés, les écoles, tout ça, ça fait bizarre de vous, je parle de passer d'Irlande aux US, c'est chaud quand même. Ouais, ça fait bizarre. Effectivement. C'est assez étrange, mais on s'y fait. En fait, bizarrement, je suis pas. Je suis beaucoup moins dépaysé que quand je suis passé de France à l'Irlande. Tout simplement parce que ça reste un pays anglo-saxon, donc ils parlent la même langue. Je les comprends même beaucoup mieux parce que l'américain c'est plus facile que l'irlandais en fait, quelque part. Et que les choses soient grandes, c'est vrai qu'il y a des gros supermarchés, il y a des. Enfin. Je sais pas, ça m'a pas choqué plus que ça en fait. En Europe, tu demandes un jus, t'as un verre basique, là t'as un tonneau. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Le nombre de fois où j'ai fait. J'ai dit le petit menu, s'il vous plaît. Ah, mais c'est le petit, ça. Mais le verre, là, il fait un litre. Ah, ouais, c'est le petit, ouais. D'accord. Alors, attends, comment est-ce que je pourrais faire pour aller par là? Un passage secret. Bon. L'intérêt, c'est de perdre tous tes points de vie pour augmenter la difficulté, non? C'est plus une question de mentalité quand tu es en changement, ça va. Ça, ouais, c'est vrai. Mais il y a des choses qui m'ont. Bah, voilà, j'ai tout ce qui. Les trucs qui m'ont choqué, je les ai publiés sur Facebook quand tu pouvais pas stream. Donc, Cœur, si tu veux aller lire ça. C'est sur le groupe Facebook, n'hésite pas. Il y a des choses qui me choquent. Il y a même des choses qui me choquent encore. Il y a même des choses qui me choquent et dont je parle pas parce que sinon, déjà, ça serait de la politique. J'ai pas envie de faire de politique. Ici, on en a fait un petit peu l'autre jour. Hein, voilà. Et d'autres trucs qui sont voilà. Ils ont un mode de vie différent du nôtre, hein, mais bon. Mais globalement, je trouve qu'on est mieux qu'en Irlande. Pour l'instant.
On a même une assurance maladie qui est meilleure que celle que j'avais en Irlande, alors c'est pour dire. C'est un truc de fou ça. Parce que les États-Unis sont pas réputés pour avoir des assurances maladie de fou. Et là en fait, vu que le boulot me paye une assurance maladie qui est assez bien en fait. Du coup voilà. Mieux qu'en Irlande. Bon. Ça me saoule. Oh, dis donc. Oh! Enfoiré, il se planquait. Qui êtes-vous et que faites-vous ici? Vous allez attirer leur attention et ils vont revenir. Partez maintenant. Prenez cette carte d'accès. Elle vous permettra de regagner la surface. Tu mériterais que je te tire un coup de shotgun en pleine tête. T'aurais pu me dire que c'était là, bordel. Je savais bien. Ça servait pas à rien de se péter les deux jambes. Le big menu, t'as la citade directe, c'est ça. C'est assez affolant. Après, t'as moyen de manger correctement si tu fais attention et que tu sais où aller. Voilà, il n'y a pas que des Américains obèses. Hein. Loin de là. Ça, c'est un cliché, quoi. Oh, il y en a beaucoup. Plus qu'en France, mais bon. Il y a plus de gens aussi, de toute façon. Je sais, quand je suis parti aux US pendant les vacances, j'ai demandé une poutine. Quand j'étais passé au Canada, j'ai dit médium, c'est un truc dada, j'ai cru que j'étais un XXL. Lol. Sauf pour le café, aucune excuse, aux US, il est dégueu. Ah, oui. Oui, tout à fait. Tu peux en trouver du bon au lac d'art, en fait, mais ouais, faut chercher, quoi. C'est fou, quand tu rentres en Europe, t'as l'impression de te faire plumer H24. Ouais. Ok. Bordel, descends. Ok, on est good. Ah, j'en étais sûr qu'il allait avoir un mob. Oh là là. Putain. Pourquoi est-ce que le host de System Shock, il est toujours au milieu du stream, me fout les boules. Putain. System Shock, thank you. I hate you as well. Is that scared the shit out of me? Ah! Bordel! Il y est. Va-t'en la chaise, va-t'en. Je te déteste. Ouvrir les volets. Ok, on a ouvert les volets. C'est bien. C'est l'heure de se lever. Il n'y a pas que des Américains obèses, il y a aussi des Américains gros. Non, il y a des Américains sveltes aussi. T'as un resto ici qui s'appelle Nali Fresh et où ils font que des choses bonnes pour la santé, on va dire. Il n'y a pas de gras, il n'y a pas trop de sucre, t'as du vegan, du végétarien pour ceux qui veulent, et c'est pas trop cher et c'est bon. Et ça, ils faisaient pas en Irlande par exemple. J'arrive à peine à regarder le stream, j'ai 14-15. Oh, putain, merde. Désolé, mais je peux pas. C'est dans la boîte. Merci, Marc. Merci. Je te déteste. Journal audio de Bob Cody concernant les conditions de travail dangereuses dans les cavernes sur Delta. Nous sommes aujourd'hui le 18 octobre 2145. Mon équipe a rebranché les générateurs comme on nous a demandé ces derniers jours. On peut pas finir le boulot. On arrête demain. On va pas se crever pour ça. On va ramasser notre équipement et boucler ce qu'on peut. On les appelle hurleurs, parce que ça commence comme ça. D'abord un hurlement, de plus en plus fort, comme un cri. Puis la terre qui tremble. Mars qui tremble et tout qui se renverse. Ça devient impossible de marcher sur les passerelles.
et débile de travailler avec de la haute tension. Ces cris effraient certains dégâts, et je les comprends. C'est complètement surnaturel. Si quelqu'un pouvait trouver d'où viennent ces hurlements, on pourrait finir le boulot. Mais entre-temps, on est disponible pour un nouveau travail dès demain. Putain, l'acteur qui a fait cette voix-là, par contre, là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Monsieur Cody, plusieurs équipes qui travaillent dans les cavernes ont signalé au moins une douzaine de pannes de générateurs après la récente activité sismique. Veuillez rassembler votre équipe et vous rendre à la surveillance de l'entretien. Tenir un rapport détaillé. Ces générateurs doivent être opérationnels dans les plus brefs délais. Merci, c'est signé le contrôle d'entretien. Salut Bob. Et bien, je vois qu'on t'a de nouveau assigné au générateur. Je vous souhaite bonne chance pour quand tu seras en bas avec les hurleurs. N'oublie pas que ton équipe et toi devaient rester concentrés. J'étais là-bas le mois dernier, donc je sais à quel point ça peut être difficile. Surtout avec toutes ces secousses. Enfin, fais-moi signe quand t'auras du temps libre. On ira se descendre quelques bières. C'est quoi les hurleurs? C'est nouveau ça. Docteur Pierce Rogers, archéologue actuellement en poste sur Mars. Comme l'ont suggéré les rapports préliminaires, nous avons fait des découvertes étonnantes sur Mars. La vie y a longtemps été étudiée de manière théorique, mais nous n'avions rien imaginé de tout cela. La première chambre a été découverte en 2115. Elle conduit à ce qui est maintenant le site 1, le plus grand, et sur lequel nous travaillons encore. Le site 1 est constitué d'une série de chambres et de tunnels de communication, tous recouverts de glyphes et de symboles. À l'aide du processeur de motifs de l'UAC, nous avons pu en déchiffrer certains, et voici ce que nous avons appris. Les anciens nous ressemblaient, du moins dans la mesure où il s'agissait de bipèdes de même stature et corpulence que nous. Ils possédaient des connaissances technologiques étonnantes. Ainsi, les glyphes de chaque site étaient gravés dans la pierre par une machine, et chacun est découpé avec une précision que nous ne pourrions pas égaler. Leur structure sociale semble basée sur un schéma aristocratique. L'accent étant mis sur le statut et la structure. Le site 2 est plus petit et constitué principalement de chambres funéraires, de temples et de divers objets. Ce site a été photographié et mis au jour avant que tout le matériel n'ait pu être transporté sur Terre pour y être étudié. C'est sur le site 3 que nous avons découvert notre fameux objet, le cube des arbres. Si vous vous êtes déjà informé, vous savez que cette grande civilisation disparue a été attaquée par une force inconnue. Et si nous en croyons ce qui est écrit dans la pierre, ils auraient sacrifié en grande partie leur société pour faire reculer l'ennemi. L'administration centrale possède davantage de rapports sur le cube des âmes. Nous avons également découvert d'autres types d'objets. Ils ne sont pas ornés comme le cube des âmes, mais chacun est unique. Lorsque nous aurons terminé de déchiffrer les glyphes, nous espérons que les équipes scientifiques pourront fournir de plus amples informations sur l'ancienne technologie. Les archéologues vivent actuellement des moments forts et uniques. Ok. Après tu dis bonjour à beaucoup de personnes aux States, à Paris, faut tous ta gueule, je trouve. Oui, c'est... En fait, le truc, c'est qu'ils ont la culture du positivisme, les Américains. C'est-à-dire qu'ils apprennent ça dès l'école. J'ai un peu halluciné, parce que nous, c'est pas du tout ça, quoi. Ils apprennent dès l'école que être négatif, c'est pas bien. Et du coup, ça peut provoquer des effets un petit peu pervers, du style... un gamin va pas vouloir dire que quelque chose ne va pas parce que on lui a appris que bah c'était négatif, quand ça allait pas, c'est que c'est pas bien, quoi. Du coup, y en a beaucoup qui ne disent pas ce qu'ils pensent, ce qui après mène à de l'hypocrisie, quoi. Donc je vais pas dire qu'ils sont tous hypocrites, quoi, loin de là, mais souvent ils veulent pas dire ce qu'ils pensent vraiment parce qu'ils ont ça, ils pensent que c'est pas bien. Et ça, c'est un peu dommage. Mais bon. Après, c'est ce qui mène aussi à une société qui marche énormément comme la leur. Simplement parce que être négatif, en fait, ça mène pas à grand chose. Hop, putain. On les appelle les hurleurs parce qu'ils hurlent. Non, ils sont muets. Ah, oui, ok, c'est logique, non. Non.
Ah bon? Bah oui, mais si c'est logique. Non, non. Mais si. Bon, ok. Voilà, bien, bien. Bon, j'y vais. Ok, à plus tard. Oui, c'est ça. Marc, tu pètes un câble, là. C'est pas bon, c'est pas bon. Fais attention, n'oublie pas tes pilules. Hein? Que serait la France sans tous ces gens qui se plaignent? C'est pas faux. Après, c'est ça, voilà. C'est aussi pour ça que les Américains... Les Américains, la culture française et la culture américaine sont à deux extrêmes, en fait. Les Américains n'ont pas la culture de la révolution, de se plaindre. Ah, c'est pour ça que ça vous parlait de tremblement. Les grèves, les pétitions. Une pétition, mais c'est un truc de ouf pour les Américains. Ah putain, j'aime pas ça là. Les pétitions. Oh merde. Les pétitions, t'en fais que quand c'est vraiment nécessaire. Et puis les grèves, les manifs. Ils vont faire des manifs pour Trump, anti-Trump. Mais voilà, quand c'est vraiment que ça commence à craindre, ils font ça. Alors que les Français, ils auraient déjà fait une manif dès que... Putain, ta gueule le jeu. Ils auraient déjà fait des manifs dès que Trump se serait présenté, en fait. Ah putain. Putain, faut pas tomber. Stop. Faut pas tomber. En fait, c'est une référence à François Pérus. Ah. Perso, je trouve pas que les Français sont négatifs et passent leur temps à se plaindre. D'accord. C'est pour ça qu'ils disent que le seul problème de la France, c'est les Français. Lol. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'ils ont tendance à pas trop se bouger le derche. Ah bah ouais, mais tu m'étonnes avec tous les avantages sociaux que la France a. Attends, sérieusement, quand j'avais mon boulot en France, j'avais 45 jours de congé, quoi, par an. Ah, j'aimais bien, hein. Tu m'aimais retrouver mes 45 jours de congé, j'adorais ça. Merde. Mais voilà, c'est... Faut bien réaliser qu'il y a que quelques pays au monde... Qui a le droit à autant de jours de congé, quoi. C'est un privilège. La sécu qui rembourse, c'est 65%, ça peut-être baisser, j'en sais rien. 20% des soins. Pareil, c'est un privilège. L'assurance chômage, c'est un privilège. Très peu de pays font ça. Et bon. C'est pour ça qu'ils veulent pas se bouger. Je pense, hein. Je me plantais, je suis pas en France depuis longtemps, donc je suis pas forcément bien placé pour parler de ça, mais ça a peut-être changé d'ici depuis le temps en plus. Tu vois, on a 5 semaines de vacances par an, mais depuis longtemps. Alors ce que je trouve hallucinant, c'est que personne n'ait jamais remis ça en question pour en avoir davantage. Bon, 5 semaines, ça fait 25 jours, c'est ça? Tu comptes les RTT là-dedans? Sauf qu'ici en France, ils pensent à eux, pas à tout le monde, mais voilà, tu demandes à un voisin en France de t'aider, ils t'aident pas, ils sont tous... pas tous sympathiques. Qu'est-ce que tu veux dire? Pas bon. Bref. Je sens que j'aurai besoin de ça, en fait. Oh là là. Oh là là. On s'approche du mal. Mon Dieu. C'est ça. Salut! Non, 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 ma souris qui est bloquée! Reviens, la souris parfait! Ben voilà! Saloperie! De souris! Bah, moi j'avais 45 jours de congé quand je bossais en France. Parce que. Voilà, je sais pas pourquoi. Parce que c'était cool. En comptant les RTT, quoi. Après, il y a aussi les jours fériés, quoi. Il y en a beaucoup en France. Ah,
Ah ouais, mais non, mais... Oh là là. Ouais, j'ai vraiment rien compris à la vie, je suis en France pour travailler à mon compte, alors ni congé, ni assurance chômage, effectivement. Mais après, peut-être que tu t'épanouis beaucoup plus, en fait. Probablement même. Oh! Oh, je l'ai one shot! Aïe! Allez, 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 petit cube! Wouhou! Encore! Je kiffe les caco démons. Ok. On n'est pas le pays qui possède le plus de jours fériés. Non, probablement pas. Mais par exemple pour les jours de. Je sais pas si tu sais Marc, mais après ça dépend des états, mais dans le Maryland, là où je suis, il n'y a pas de jour de congé. T'as pas de congé maladie, t'as pas de jour de congé, t'as pas de jour férié. Rien. Du tout. Si tu veux prendre du coup des congés, bah t'es pas payé. Et encore, c'est pas dit que ça soit approuvé. Donc tu vois. C'est dit, lui déjà en position, regarde. Ah ouais. Elle a l'air grave en position, la gueule. Tu fais quoi alors, moi, du coup? Là, je monte là. Je veux travailler pour personne et faire bosser personne, alors c'est pas cher. Ouais, c'est barré. Moi, j'aimerais bien bosser à mon compte aussi. Figure-toi. Et si un jour je peux, ce sera en streamant, quoi. Je pense. Je suis trop vieux pour me recycler dans quoi que ce soit d'autre là pour l'instant. à l'heure actuelle. Des congés imposés par ton entreprise, c'est ça. Non, j'ai la chance d'être dans une entreprise qui propose des jours de congés. Et j'ai le droit à 14 jours de congés par an. Les jours fériés aussi américains, je peux en profiter. Après, je suis manager, donc. Au final, si on m'appelle et qu'il faut que je bosse, j'ai pas le choix. Quoi. C'est comme un cadre en France. Mais j'ai le droit à des jours de congé, des vrais jours de congé. Après, si je suis malade, il faut que je prenne mes jours de congé aussi. Mais il y a d'autres employés dans la boîte qui, eux, n'ont pas de jours de congé du tout. Aucun. Bon, alors, je vais faire ça. Ah non, d'accord. Parle juste sur la caisse. Non, il faut que je saute, il faut que je monte là-haut. Est-ce que je peux faire autre chose, genre non. Oh. Si t'es malade, t'as quand même le droit de pas venir. Sans être payé, bien sûr. Ouais. Et c'est même encouragé parce que ils veulent pas que tu rendes les autres gens malades, quoi. T'as le droit de ne pas venir, t'as le droit aussi de venir et de rester malade. Et d'infecter tout le monde. J'aurais peut-être dû monter un peu le bordel. Peut-être pivoter la crue pour franchir la fosse. Merci, je viens de le voir. C'est. Ah non, c'est bon. Merci de me prévenir le jeu. Oh là là. Ah ! Foiré. Ok, je sauvegarde là. Autrement dit, tu te tues à la tâche. Ouais, mais ça. Ah ! Putain !
Ah, je m'attendais pas du tout à celui-là. Après, c'est voilà, c'est la culture américaine. Hein. Il faut bosser pour gagner des thunes. Tu gagnes bien ta vie, mais tu bosses comme un malade. On aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas super fan. Maintenant que j'ai une famille, c'est vrai que j'aimerais bien. J'aimerais bien gagner ma vie correctement pour pouvoir les faire vivre et sans forcément gagner des 100 et des 1000 comme on dit. Voilà, gagner ma vie sans avoir à m'inquiéter de ah putain merde, va falloir payer la facture, merde machin. Ça j'aimerais bien. Au Japon ils ont aussi pas d'image de congé genre 15 jours par an. Ouais. Bah moi j'en ai 14. J'en ai 14. Mais ouais, le Japon c'est pas mal aussi dans le genre. Mais voilà, tout ça pour dire en France. Oh merde. En France, on est bien loti. Enfin, vous. Aïe! Non! Putain, j'ai pas eu le temps de changer d'arme, quoi. Comment il charcute le meuble, là? Quelle heure il est? Ok, on a encore ça pendant une demi-heure. Ouais, donc là, c'est sûr, hein, je pense qu'on le finira pas. À moins qu'il n'y ait pas de boss, mais bon, je pense qu'il y a un boss, quand même. Tu dis que t'as une gastro et tu viens quand même et tu mets de laxatif dans le café de ton collègue. J'y pensais, le mec, t'es con. Non, mais putain, recharge! Ah! Oh merde! Pas lui! Putain, c'est le. Pas eux même! Voilà. Oh là. De toute façon, tout est une question de choix dans la vie. Ah oui, c'est clair. Ah bah après, je me plains pas. Hein. Je me plains pas. J'ai décidé de venir ici. C'est cool. Je me plains pas du tout. Le seul truc qui me fait chier pour l'instant, c'est d'être obligé de streamer la nuit des fois. J'aimerais bien pouvoir stream pour bah quand je veux quoi. Et... Ascenseur. Oh, au Japon, ils veulent passer une loi qui oblige les employés à prendre au moins 5 jours de congé sur leur emploi. Enfin, les mecs les prennent pas et font des surmenages. Ah oui. C'est encore autre chose. Moi j'ai fait le choix depuis longtemps de pas sacrifier ma vie privée. Oh putain. Voilà ce qui se passe quand on lit le chat. Ah, on lit Marc le chat. Ok. C'est bon. Oh mon dieu. Ah. J'ai fait le choix depuis longtemps de pas sacrifier ma vie privée au boulot. Et que c'est pour ça notamment que je me suis jamais écrasé devant aucun de mes patrons pour tous les boulots que j'ai fait. Ce qui m'a valu quelques clashs sympas parfois. Ben, c'est cool ça, quand tu peux le faire, c'est cool. Moi tu vois par exemple, je pourrais pas me permettre de faire le coup. Parce que si je perds mon boulot, il y a 3 personnes qui peuvent plus bouffer. Surtout vu où je suis. Donc ça serait mal. En fait, c'était pour détourner ton attention. J'étais le mec avec le monstre. Forever.
Ouais. Non! Non! Ok. Allez, merde! Non, mais... Oh, je vais tirer dessus, il aurait dû claquer. Évidemment, ma lampe qui s'éteint. Sauvegarder. Bien sûr, elle cache quoi. Ouais. Oui, j'imagine que tu... Putain, on arrive... Oh, merde! C'est vrai que moi je suis seul, il n'y a personne derrière, si je me mets dans la merde, je suis le seul concerné, voilà. C'est avant, effectivement, j'aurais pu faire ce genre de truc aussi. C'est comme ça que j'aurais fonctionné. Non. Charcle ce jeu quand même, hein, je trouve. Peut-être que c'est juste le mode difficile. En tout cas, ça faisait longtemps que j'ai pas fait un jeu en difficile. Ça me fait plaisir. Quelque part, ça... Ça remotive un peu. Ah putain, non mais non. Mais non. Oui mais difficile, mais il y a des limites quoi. Mais oui mais non. Qu'est-ce que... Ah sérieux, il me balance deux comme ça plus une sorcière. Ah, chier. Bah on va y aller au BFG hein. Y'a pas trop le choix hein. Voilà. Je peux remonter maintenant. Je peux pas remonter pour aller me recharger là. Par contre, n'a plus de vie là. n'a plus de vie du tout. Ma vie est morte. Mais être seul, c'est aussi un choix. Moi, j'ai pas du tout envie de me poser en couple ou d'avoir des marmots. Je peux comprendre. Je peux tout à fait comprendre ça. Tu disais quoi déjà sur les jeux difficiles? Que c'était cool. Que c'était cool et que ça me revigorait. Oh putain. Les hurleurs. Bon, de toute façon, il va falloir que je me régène. Pardon? Tiens! Ah là! Non! T'es bon là? Ah. Apparemment c'est pas fini. Usas. Et pourtant j'ai vécu 2 ans avec une femme, sauf que j'ai pas du tout aimé ça. Ah bah... ça dépend des femmes, on va dire. Moi non plus, des fois, j'aime pas du tout ça. Elkinet, si tu m'écoutes, je déconne. Tout va bien. Merci. Pourquoi y'a que moi qui parle sur le chat? Parce que pourquoi pas, mais y'a moi aussi qui parle avec toi. Ouh.
L'adrénaline, ok, ça va péter là. Ça va péter, je suis sûr. Ah, salut! Et tue-le, tue-le! Ok, il le tue pas, c'est pas grave. T'inquiète pas. Ah, pourquoi je suis toujours au BFG? Oh merde, bon, c'est pas grave. Ça, c'est fait. Parce que la fatigue se fait sentir, hein. Ça, je peux. Je peux comprendre. Il y en a encore un là-haut. Hop là. Bim. 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 Et bim. Bim. Oh non non non. Bim. Ok. Re-sauvegarde. Et plus pour raconter ma vie dont tout le monde s'en fout. Bah non, moi je m'en fous pas. Oh. Oh putain. La grenouille qui saute et qui... Ah. Non, 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 non. Oh, ma vie. Mais j'étais full life, je ne suis plus full life, j'ai 51% de vie, c'est nul. Voilà. Là, moi aussi je raconte ma vie. Y'a pas de life là? Et de l'armure, je m'en fous. Voilà, petit retour de toi des familles. Boum. 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 Ok. Oh là là. Oh, c'est les trucs dont il parlait. Ça. Ah bah ça arrive, donc. Merde. Couillon. Con. Pourquoi j'ai fait ça, la roquette à bout portant là? Vidéo disque. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, c'est tout? En fait, c'est le fait de toujours faire à deux, toujours en fonction de l'autre, jamais être libre, que j'ai pas supporté, je sais plus moi-même. Ouais, non mais c'est... Ouais, c'est vrai, je comprends. Je comprends, quand tu vis à deux, en fait, il faut faire énormément de concessions, et c'est encore pire quand tu vis à trois, parce que du coup, les concessions que tu faisais avant, tu les fais encore, mais l'autre les voit plus parce qu'il s'occupe du troisième. Voilà. Donc, c'est comme ça. Je suis quelqu'un de naturellement solitaire, ok. Alors, vidéo disque. En instituant de nouveaux standards dans les domaines de découvertes archéologiques et de l'analyse, l'UAC est fier de ses dernières trouvailles sur quatre objets à la fois. Voilà. En instituant de nouveaux standards dans les domaines de la découverte archéologique et de l'analyse, l'UAC est fier de ses dernières trouvailles sur quatre objets à la fois uniques et fascinants. Ces tablettes ont été découvertes dans le site de fouille qui porte aujourd'hui le nom de site 3. En examinant la zone alentour et grâce à la datation au carbone 14 des tablettes, les chercheurs de l'UAC ont conclu qu'elles appartenaient à une civilisation ayant existé il y a des millénaires et qu'elles ont été placées dans une sorte de site funéraire. Grâce au travail des plus grands linguistes et au meilleur logiciel de reconnaissance de motifs de l'UAC, les tablettes ont été scrupuleusement examinées et ont révélé des secrets fantastiques. La première tablette fournit un grand nombre de données scientifiques détaillant les concepts mathématiques de la téléportation.
Les chercheurs de l'UAC se sont servis de ces informations pour concevoir les systèmes de téléportation de Delta. Les deuxième et troisième tablettes relatent une histoire épique. Un récit de guerre où, face à une étrangeté incontournable, une espèce entière se sacrifie pour vaincre. La quatrième tablette explique comment l'essence de chaque individu a été capturée et enfermée dans l'objet que nous appelons le cube des arbres. Leur plus puissant guerrier a utilisé cet objet pour refouler à jamais la horde des envahisseurs. Nos chercheurs sont encore en train d'analyser une partie de la quatrième tablette trouvée récemment, ainsi que quelques autres fragments. Elle détaille la force d'invasion et indique que les survivants ont été téléportés quelque part. Où ? Nous n'en savons rien, mais il fait référence à une carte que nous devons encore trouver. Il ne reste aujourd'hui aucune trace de l'invasion sur les sites. Nous supposons que le temps a effacé tout ce que nous ne voyons plus. Ok, intéressant, intéressant. Je vais aller succomber à l'appel de Morphée. Bonne nuit tout le monde. Ça marche, Yama. Ciao, ciao, bonne nuit à toi. Le plaisir de t'avoir vu. Et puis, bah oublie pas, tout à l'heure, il y a le 12h. Jamais t'es dans le coin, ça va pas passer. 12h, c'est cool. Bonne nuit à toi. Voilà, les conversations, j'en fais pas. D'accord, Marc. Fait que j'ai ma vie de célibataire et mes papillonnages, c'est quand même plaisant l'intimité d'une vraie relation. Ouais. Je suis d'accord avec toi, Lagdar. Il y a un moment donné où il faut. Où c'est. Bah, ça fait un petit peu genre. Qu'est-ce que je pourrais utiliser comme métaphore? Un peu comme si on avait. On est arrivé au niveau final d'un jeu. c'est l'impression que ça me fait en fait. Enfin, niveau final. Nouveau chapitre, on va dire. J'ai pas été avec une femme depuis que mon ex s'est barré avec un pote à elle il y a plus de 9 ans. Ok. Après, voilà, si tu kiffes, bah tant mieux. Hein. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Rien en fait, c'est nul. Tu fais quoi comme jeu de survie? PVP, PVE, comme je viens de dire. J'en fais pas, voilà, tout simplement. En fait, tout ce que je fais en live, c'est ce à quoi je joue. Je joue pas... Putain, c'est où? Ah! Oh bah super. Je joue pas beaucoup hors live, en fait, au final. Car, du coup... ce que tu vois, c'est ce que je fais. Donc j'en fais pas. Rien dit, ok. Non, après, j'ai joué à ce genre de jeu dans le passé, car mais j'ai plus le temps. En fait, c'est pour ça que je fais que des jeux qui se terminent, en fait. Parce que sinon, sinon il n'y a pas le temps, quoi. Ok. La liberté, il n'y a rien de mieux. C'est vrai. Après, tu vois, voilà, si t'as la chance d'être avec une femme comme Elkinet qui te laisse faire ce que tu veux à la mesure du raisonnable, on va dire, et ben c'est cool. Oh, genre. Ok. Avec une femme, je parle pas de relation sentimentale, j'ai absolument pas été avec une femme. D'accord.
Le cube est très, extrêmement efficace, effectivement. Ça fait peur quand tu vois 24 munitions pour le VFG. Ok. Je vais t'en commander un à Noël. Eh bah ouais, il faut toujours avoir un cube sur soi. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, mais je vais pas marcher dessus. Ouais, y'en a d'autres. What? Ok. OMG, ça a sauvegardé tout seul au moment où j'allais sauvegarder par moi-même. Pardon? Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Oh! Aïe! Mais aïe! Esquive! 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 Hop! Loup! Esquive! Non! La 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 la. Ah putain, quoi? Oh non! Elle est petite en plus! Saloperie de putain de jeu de cul, quoi! Je crois que. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé autant d'insultes dans un jeu. C'est des œufs en fait. Oh Marc, après chacun ses goûts, mais... J'ai aucune idée de comment finir cette phrase. Chacun ses goûts, mais... Tu sais pas ce que tu manques. Peut-être. Chacun ses goûts, mais... Mais quand même, tu devrais tester un jour. Ah, il atteste en fait. Bah, pas test les gamins. Vas-y, c'est les gamins, Marc. C'est bon. C'est différent, j'ai voulu... Enfin, j'ai... ressenti le besoin d'être papa dès que j'avais 21 balais, je sais pas pourquoi. Bon, c'est arrivé quand j'en avais 35, je crois. Mais bon. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je voulais recharger ça. Les femmes le sentent quand elles ont affaire à un gars qui veut ni s'engager dans une relation ni construire d'histoire. Les femmes, en tout cas, les françaises, cherchent avant tout la sécurité. Les gamins, jamais, lol. Ah, c'est voilà, c'est un choix. Hein. Pas du tout, mais pas du tout là où on perd, d'accord. Faut jamais dire jamais. Imagine si un jour tu rencontres une nana qui te fait tourner la tête. Une nana que tu kiffes et qui t'as envie de rester en fait. Pas forcément par attirance sexuelle ou quoi que ce soit, mais juste parce que ben tu sens bien avec elle. Et ben peut-être que t'auras envie d'avoir des gamins, un gamin. Jamais. Jamais, 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 jamais. Ok, ça va. je note. Je viens de sauvegarder, hein, c'est ça. Quelle heure il est? 53. Je sais pas pourquoi il y a un petit air d'Alien versus Predator. Là. Et ben là, je dois s'entrechoquer avec tes genoux. Oh, Lagdar, comme c'est bien dit. Je valide. Pourquoi ça rame d'un coup là? Qu'est-ce qui se passe? C'est le jeu qui essaie de me dire attention, il y a un gros monstre qui arrive. Il y a un gros truc qui arrive là. Non, j'ai plusieurs raisons de ne pas en vouloir. Et là, je vais dire qu'une chose, j'ai constaté par expérience. Moi, tu pratiques une chose et moi, ça. Ah, ça. Caverne, ok. Quitte caverne. Quitte caverne.
Où est-ce qu'on arrive? Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, c'est tout noir. Ça plante? Non. Site de fouille principale. Un site de fouille principale contient l'antique chambre funéraire. La découverte de cette chambre a permis d'apporter les tablettes de pierre, le cube des âmes et bien d'autres précieux artefacts. Pour une fois qu'on a le temps de lire le flavor text. Comment on pourrait traduire ça en français? Ainsi, tu es parvenu jusqu'ici. Le texte de bouffe. Oh putain! les amis, je crois que le boss est là. Regardez-moi ce jeu qui m'offre toutes les armes à disponibilité. Oh là là, comment c'est beau. Ok, voilà. C'est bon, t'as tout de rempli. Voilà, je suis pas full life par contre le jeu, t'es méchant. Tu pourrais me mettre full vie quand même. Il y a un truc qui fait groumf groumf. Ah, c'est là-haut la vie. La vie, la vie, la vie. Comment je... On va s'arrêter de toute façon. C'est triste parce que là, ça sent la fin quand même. Voilà. Ça sent clairement la fin. Là. Deux secondes. Je vais. Donc je vois. Avec. Je... Deux secondes. Je vois avec Elkinet ce qui se passe. Ok. Voir. Et voici la vie, la douce vie qui est na 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 la 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 la. Ça descend bien profondément. La vie. Jamais de difficulté à repousser une femme qui voulait clairement coucher avec moi. Ok. Tu n'utilises pas un muscle qui s'atrophie, mais le sexe, c'est pas seulement les besoins physiques, c'est aussi ce qui définit notre esprit de compétition. D'une certaine manière, nous définit. Ouais, tu as raison, Nagdar, quelque part. Après, c'est pas pour ça que tu n'es pas défini, c'est pas parce que tu ne fais pas. C'est pas parce que tu ne fais l'amour avec personne que tu n'es pas défini. Hein? L'esprit de compétition, j'ai l'esprit d'entraide. Aujourd'hui, le nom de site 3. On a déjà en vu. En examinant la zone alentour et grâce à la datation okay. Carbone 14 des tablettes, les chercheurs okay. De l'USC ont conclu qu'elles. Alors, voici encore voilà. Pourquoi j'aime ma femme, c'est qu'elle m'a dit ouais, carrément. Appartenait à une civilisation ayant cool. Existé il y a des millénaires et qu'elles ont été placées dans une sorte de site okay. Funéraire. Là, c'est la fin là. Grâce au travail des plus grands linguistes, ils ont mis le logiciel de connaissances. Oh là là! Ok. On n'a pas de lance. On n'a pas de lance tronçonneuse. Je refais ça, désolé. Turc. J'aime bien. Voilà. Moi, je suis commercial et la séduction, on appelle aux mêmes qualités. Qu'est-ce qui me fait réussir pour ça? Ok. La séduction, ça me gonfle, ça m'intéresse pas du tout, je suis quelqu'un de direct. Je peux comprendre, Marc. Les deux points de vue sont... Voilà. Attends. Non. Ok, Belzébuth nous appelle, les amis.
apparemment il nous invite chez lui puisque... Oh là là... Alors... Comment je le sens pas... Comment je le sens pas... Ça flatte et ça me donne confiance. Ouais, je peux comprendre. Je comprends aussi. Moi, je suis juste beau gosse, ça me suffit. Le spectre. Okay. Mais voilà, tout le monde est différent. Hein. Chacun ses goûts. Et puis chacun fait ce qu'il a envie. À partir du moment où tout le monde est heureux dans sa vie, rien à foutre. C'est ce que je veux. Et je pense que c'est aussi pour ça que voilà que Elkinet agit comme ça avec moi, par exemple, et qu'elle elle me permet de stream, c'est qu'elle sait que ça me rend heureux et que autrement je serais malheureux et voilà. Et elle va me rendre heureux, c'est tout. Je la remercie. Voilà. OMG. Oh oh! Les amis, ça pue du cul. Et littéralement, parce qu'on vient de passer entre le. L'entrepoil. D'accord. Hop! Et en plus, il y a des ads. Ok. Non, 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 non! Non, non, non! Oh, la life. Merde, ça lui passe à côté. Recharge, bah oui, recharge, save. Waouh. Recharge. Me saute. Ah ! Oh, sérieux ? Ça c'est abusé. Ça c'est abusé. Le truc qui me balance dans le... Non, ça, c'est super abusé. Je suis pas d'accord avec ce... Avec ça, là. Non. Ah. Moi, j'étais pour être... Peut-être un PC de connexion internet, et c'est à ce moment précis du jeu que tu regrettes de jouer en mode difficile. Tout à fait. C'est le Balrog qui appelle Gandalf. Je crois qu'il me faut quelque chose de plus gros. Copyright Spectre 2016. Je sais exactement, j'ai tout pour être heureux, mes amis, un PC, une connexion internet. Voilà, parfait. Ok. Non. Non, zigzag, on zigzag. Hop, allez. Hop, la balle. Ah, il y en a encore là. Ah. Aïe. Foiré. Non. Ok. Oh non! Oh putain! Si je charge là, ça a sauvegardé avant ou pas? Non, ça a pas sauvegardé, juste avant. Ah! Et c'est à chaque fois que je suis mangé la cinématique, il va falloir que je fasse une sauvegarde directement dedans.
Il est pas beau, hein. Qu'est-ce qu'on a ? C'est un chevalier de l'enfer. Hein. Et normalement, c'est bien le dernier mob. C'est bien le dernier boss. Oh ! Ok. Je vais faire la sauvegarde comme ça. Non, mais... Ah, par contre... Le chat... Ce que je veux, c'est en fait, c'est buter à 7 démons, pouvoir utiliser le Q-cube sur lui en fait. Hop, sauvegarder quand on est. Non. Voilà. Moi le cube. Ouh. Merde. Ça va marcher comme je voulais. Ok. Oh. Failli faire une connerie. Je m'attendais pas à ce que ça soit si rapide en fait. Je peux tout vous avouer. Zulu Recon, ici Echo 1. Donnez-moi un statut visuel. Echo 1, ici Zulu Recon. On a des dégâts importants sur toute la base. C'est l'enfer ici. Tel signe de vie sur le radar bio. Attention. Echo 1, nous avons un survivant, un soldat. Caporal, vous m'entendez? Tout va bien? Vous m'entendez? Echo 1, ici Zulu Recon. Préparez-vous pour évacuation médicale. Reçu. Avez-vous localisé le conseiller Swan? Oui, chef. Il est mort. Compris, Recon 1. Et pour le docteur Betruger? Aucun signe de lui, chef. On va laisser les crédits quand même, comme d'hab.
J'ai mon retour sur Terre, y'a pas assez, il va la détruire, lol. Oui. Et si vous avez regardé cet épisode sur YouTube, c'était Telkino et c'était l'épisode numéro. C'est le dernier épisode de Doom 3. Merci beaucoup.